Salut tout le monde, c'est Steph59, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une vidéo un petit peu particulière sur de l'extrême ninja. Ça faisait les dernières ninjas que j'avais présentées, c'était sur Fusion, j'en ai fait aucune sur Rising et je me suis dit, bah pourquoi pas, après tout, présenter les pistes extrême ninja et les meilleurs mondiaux sur ces pistes. Donc on va commencer tout de suite avec la première piste, alors c'est la piste Scorn, c'est une easy, c'est une ninja. Alors ne me demandez pas les levels parce que j'ai beaucoup de mal à retrouver les levels sur les ninjas. Et c'est du créateur Slick Cites. Et on va découvrir tout de suite le run du premier mondial. C'est Inferno Trial. Un très très bon rider. Et nous allons regarder tout de suite son replay. C'est parti. Donc, peut-être une nouvelle série de vidéos. Hein, si jamais ça vous plaît, laissez les commentaires sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Savoir ce que vous en pensez du concept. Donc, c'est parti. Go, c'est parti. Alors ce que j'aime, j'adore, franchement, j'ai pas le niveau ninja, mais j'adore regarder les replays ninja. Parce que les mecs, ils ont une telle dextérité avec la moto, c'est un savoir-faire inouï. Oh là là, on se retrouve dans un bâtiment. Regarde avec quelle facilité ils passent les CP, franchement. C'est juste une formalité pour lui en fait. Moi j'ai vraiment pas le level pour ça. Petit temps de pause. Regardez bien tous les appuis exercés sur la roue arrière pour les réceptions. C'est fou. Oh, 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 oh. Beaucoup de fap là, beaucoup de fap. Sa moto, même les créateurs qui créent des ninjas, franchement chapeau, hein. Essaye d'arriver avec la petite tête de citrouille, franchement ça déchire, et il fait ça en 1:30 750. Bravo, c'est beau. C'est juste énorme. Et on va passer à la deuxième piste. Alors c'est la piste Kaguya BW. C'est du créateur Takwarn. Pareil, toujours du ninja. Et nous allons découvrir ensemble le premier mondial sur cette piste. Storm Psychose. Bonjour la Belgique. Et nous allons regarder son replay. Il a passé en 1 minute 7 667. Chapeau. Touloup toup 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 tout tout tout. Go, go, go! Oh là là! Il y a des bambous, on est en Asie. Oh, c'est en psychose. Super à l'aise. Regardez-moi ça. Hop là. Petits appuis sur la roue arrière. Petites impulsions. C'est un art le ninja, c'est un art. Donc apparemment on doit pas poser la roue avant.
déjà, je pense que ça doit être au moins une, deux. Je pense. Je vais pas m'avancer. Peut-être même une 3. Oh là là. Quelle dextérité. Vu le chrono, à mon avis, on s'approche du dernier CP. Essaye d'arriver. Pouh ! Oh, des petits bonhommes qui descendent du ciel. Magnifique. Pouh ! Franchement, c'est du lourd. Il y a du lourd. On présente souvent les riders sur le speedrun, mais il y a d'excellents riders sur le ninja. Et on va passer tout de suite à la troisième piste. Alors attendez, je l'avais repéré quelque part. Bien sûr, faut le temps que ça charge. Hein. Alors, elle est où? Bien sûr, les vignettes n'apparaissent pas, donc je vais être un petit peu perdu. On va présenter la piste BK Natural Ninja. C'est du créateur Bikiku. Bikiku, si tu regardes la vidéo, je te fais un petit coucou. Et on va découvrir tout de suite le premier sur cette piste. Alors, c'est un Allemand, c'est SP4RKZ. Désolé si je prononce mal. En 34 secondes 410. C'est parti. Alors, Bikiku aime beaucoup travailler ses décors. Donc, c'est parti. Go, il n'y a qu'à voir. Les décors sont fabuleux avec Kiku. Regardez-moi avec quelle dextérité il passe les CP. C'est une formalité pour lui. Voyez, c'est compliqué quand même. Des appuis sur la roue arrière, s'arrêter, pas aller trop vite, c'est franchement un calcul. Et on finit dans une voiture, bing! Bing, bing, bing! Oh là là! Excellent taf du créateur et du rider, rien à dire. C'est une formalité pour lui. C'est pour... Et la quatrième piste, attention là c'est du lourd. Trial France, French Trip 2. Créé par la Trial France, par les créateurs Champy, Catin, Cronem, Poirot, coucou les copains. Franchement, c'est une piste que je passe pas malheureusement, que j'ai jamais pu faire. Mais il y a un très très gros boulot sur cette piste. Alors l'histoire de French Trip, hein, c'est pas compliqué. Il y a la 1, il y a la 2. Et en fait, c'est les plus longues pistes ninja créées sur le Central Track. 50 CP si je dis pas de bêtises. Donc on peut pas aller au-dessus du nombre de CP. Et franchement, c'est du taquet taquet. Donc on va regarder tout de suite le premier sur cette piste. Et c'est encore un Allemand. C'est encore le créateur ZSP4RKZ. Franchement, désolé si je prononce pas bien. Et il run la piste en 6 minutes 42. Alors attention. Et en zéro faute. Donc c'est parti. Et là, attention, c'est du lourd. 50 CP. Donc c'est parti. Go. Et là, ça rigole pas. Là, c'est... Donc, c'est une piste qui a été créée par la communauté française, hein, par la Trial France, une team de créateurs. Et il maîtrise très bien le sujet.
CP5. Regardez ça, il enchaîne ça, mais chaud pour lui, c'est une promenade de santé. Quand même des petites animations sur la piste, c'est toujours sympa, comme le chariot élévateur. Pou, pou, pou. Quelle technique. Fou. Oh, on descend bol. C'est joli. CP11, attention. Bon, allez, regardez-moi ces petits graphes. Super bien réalisé. Un bon bruit de réverb sur le son. Alors ça, la réverb, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout sur l'éditeur. Le graphe catin. Celui juste avant, c'était Champi. Po, 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 c'est beau ça. Et il a aucun stress, hein. Il passe ça, mais... Pff. Franchement, pour lui, c'est rien du tout. Allez, CP20. Oh là là, c'est beau. Oh là là. Et on est ressorti du bâtiment, on est en nature. Ça passe quand même. Il y a des barils de dynamite, enfin des caisses de dynamite. CP25, on a fait la moitié. Oh, joli la réception sur la roue arrière, là. Faut aller chercher loin alors. Oh là là, un saut très appuyé. Oh, c'est joli ça. Et il se permet un double salto arrière en plus. Hey, franchement, il y a de la maîtrise hein, sur le ninja. On peut pas retirer. Les mecs, ils savent quoi. Il faut grimper. CP31. Il arrive dans une sorte de château. Moi, c'est un château. Mais il enchaîne ça, mais... Pour lui, c'est rien du tout, quoi. C'est impressionnant. CP36. Apparemment, on peut aller soit devant, soit derrière. Il y a les petites flèches qui indiquent. Ah ouais, non, d'accord. Franchement, c'est... Je sais pas pour vous, mais moi, j'adore regarder. Expulsé par la catapulte. Oh, la caméra est perturbante. Oh là là. CP42. French Trip, je l'ai jamais présenté sur ma chaîne. Et franchement, les gars,
Vous avez fait un taf de malade sur cette piste. L'audaciosité, j'ai envie de dire, tenter les 50 CP comme ça d'une traite, c'est top. Voilà, c'est extrêmement difficile ça, de redescendre comme ça. Ça passe ou ça passe pas. Ça passe. Oh, il appuie bien sur la roue avant. CP 48. Plus que 2 CP. Alors là, il faut faire quoi? Oh. Ah ouais. Ah oui. Bonne partie de climb, là. Faut grimper. Et boum! Ligne d'arrivée. Franchement, quelle performance du rider sur cette piste. Zéro faute. En 6 minutes 42, 183. Et également une très belle performance créative de la part de la Trial France. Bravo les copains, franchement. Vous avez fait un taf de malade sur cette piste. Et ouais, ça envoie du lourd. Bou bou bou. Eh ben. Donc voilà, bah c'était les 4 pistes Extreme Ninja que je tenais à vous présenter sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires sur la vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse encore des vidéos de ce genre sur les Extreme Ninja. Parce que franchement, ça peut être intéressant de présenter aussi bien les créateurs que les premiers mondiaux sur la piste. Donc mettre en avant les créateurs et les riders. Donc n'hésitez pas à me laisser tout dans vos messages. Quant à moi, bah, je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en bien, enfin si on peut dire, parce que moi dans mon cas, avec ce qui a été annoncé hier, voilà, on bouge déjà pas le week-end, mais maintenant la semaine ça va être encore le bordel. On n'en sortira jamais toutes ces conneries là, c'est atroce. Voilà quoi. Donc sur ce, passez un bon week-end, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.